Yo les potes, je viens juste d'avoir la nouvelle là qui vient de tomber. J'étais en train de montrer ma petite voiture de collection au format miniature que j'ai acheté, ma première, dans l'onglet communauté. Et on m'a dit, tu vas voir le seum, l'émission de Madame Becker, elles sont triplées. Alors que je viens juste de la terminer. Et oui, donc je vous confirme, je pue le seum. Alors je vais tout de suite aller taper le chrono. C'est devenu un peu trop facile de faire le chrono en moto. Je vais me mettre du challenge, je vais le faire avec la comète. Fils de con, va. Vous avez vu ça? Je vais me foutre de sa gueule. Il commence à me casser les couilles, lui. Hein. Il commence à péter les couilles, putain de titouan. Why? Mais putain, mais... Attends, je vais pas m'énerver dès le début. Bah, je vais le défoncer tout de suite, lui. Il me dit why. Voilà, why. Il me dit que j'ai 3 ans. Ouais, ouais, c'est sûr, c'est moi, j'ai 3 ans. C'est moi qui joue avec des motos volantes au missile téléguidé, c'est sûr. Dans un jeu multijoueur, c'est moi qui ai 3 ans, frère. Je m'en bats les couilles. C'est bon, il a compris la Uri. Pour faire mon petit chrono tranquille. Ok, let's go. Non mais attendez, why? Non mais le mec il me prend pour un neuneu quoi. Le mec se colle derrière moi comme une mouche à merde. Ouais ouais, maintenant je me la pète tellement. Je fais même des petits plans comme ça pendant les chronos. Oh, c'est pas grave, ça va passer. Oh putain. Banzai. Et voilà, j'ai foiré mon chrono. Voilà. J'aurais dû faire gaffe au saut, j'aurais dû me prendre mieux mon saut. Celui-là il va passer, je vous le dis. Je vais pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Avec un peu de chat quand même. Alors c'est là qu'il faut que je fasse gaffe. Ah ouais. Ah c'est pas grave, ça va le faire. Voilà. Il y a le retour des diamants pour le casino. Moi j'ai jamais eu les diamants dans GTA Online parce que j'ai jamais essayé de les avoir. En fait le braquage du casino je l'ai fait une ou deux fois maintenant dans Tsum Tsum. Je vais essayer de le faire cette semaine pour essayer d'avoir les diamants. Il y a du monde là, ça craint. Ça craint de ouf. Il a l'air ultra cancer le mec avec son hélico là. Oh là, MK2, bien sûr. Voilà, ça c'est livré, boum. 200 000 boules dans cette session. Ben, je vais aller jouer au casino moi. Oh, il a le seum. Oh, il a le seum. T'as le seum mon coco, laisse-moi. 20 000 jetons, super. Allez, je vais essayer de taper une prime. Il s'est caché, putain. Il se cache là-haut. Ouais, il a fait un piège, ok frère. Je vais mourir, il suffit qu'il me lock et je suis mort. Je l'ai eu? Yes, je l'ai eu. Ça t'apprendra. C'est ça qui t'amusait, Titouan. C'est de te cacher en haut comme ça. Attendez, faut pas faire le moindre faux mouvement dans cette situation. J'aimerais trop sauter pour l'étage inférieur. Vas-y, je tente. Yes! Ah bah de toute façon il y avait des escaliers, je suis trop con moi. Ok, il va jouer à cache-cache, sauf que t'as plus la prime, donc tu m'intéresses plus. Ah ouais merde, c'est moto, je suis con. Ça va être tendu avec ma bâtie. La Kuma peut quand même être une bonne solution. Il y a beaucoup de 90, de virages à 90 degrés, donc je vais garder ma Kuma. On verra bien, mais je prends un risque, je me doute bien que les mecs ils vont sortir les motos futuristes. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Une, deux. J'ai quand même un petit peu moins de chance de gagner, on va pas se mentir. Oh bah j'ai foiré mon départ, super. Yeah.
sent grave les cheaters là ou c'est moi là encore. Oh, je vais me faire doubler avec la spi, c'est sûr. Ah non, c'est bon, yes. Voilà, 300 000 dollars dans cette session. Putain, c'était chaud, j'ai pas parlé de la game parce que j'étais ultra focus. Ils auraient réussi à capter mon aspi là, j'étais mort. Il fait quoi lui? Non mais le mec il a pris un quad. Personne me dit GG, normal, niquez-vous tous. Apparemment il y en a qui m'ont traité de tricheur. Bon, qui c'est qui m'a traité de tricheur là? Tiens, grosse merde. Qu'est-ce qui t'arrive toi? Ah, c'est moi le tricheur. Ah bah bien sûr c'est moi le tricheur. God mode, yes, vous le voyez. Donc il y avait un tricheur dans la course premium. Alors je sais pas s'il a triché dans la course, en attendant là il était en god mode. Bon bah moi je m'en fous en fait, tout est positif. Lui il va prendre le tarif lui. Et j'y vais avec une bagnole quand même moins rapide hein. Je suis gentil. Puis c'est pour challenge et c'est... Pourquoi moi je suis gentil alors que ils jouent tous comme des connards? Pourquoi moi je prends une petite vieille bagnole et tout pour être gentil, pour lui laisser une chance de s'en sortir, alors que là le mec était en god mode, même si c'est pas le même. Ok, il passe par l'autoroute. Non, mais à mon avis, c'est mort. Je suis trop gentil. Ah, il y a un entrepôt ici. Non, vas-y, je râle le cul d'être gentil, c'est bon. J'ai l'impression de jouer avec des enfants de 8 ans. Je suis obligé de leur laisser de prendre des véhicules moins rapides pour leur laisser une chance de gagner. Je m'en bats les couilles. Faut pas abuser, c'est des grands garçons. Il y a pas de pitié sur la pister. Ça va partir en course poursuite. Je vais rien lâcher. M'en bats les steaks. Winchard, je te mets un petit marqueur. C'est maintenant ou jamais qu'il faut sortir Titouan. C'est quand j'ai le dos tourné. Je fais exprès de pas avancer trop vite sur le radar parce que sinon, on va se douter que j'ai une voiture de Thug Life pour faire de la course poursuite. Il sort. Viens par là, mon petit, viens. Viens. Je m'en bats les couilles, j'ai aucune pitié. Quand t'as de la pitié, tu te fais baiser dans GTA Online. Faut pas que je bouge. Tant que je bouge pas, le mec, il se dit c'est bon. Prends la droite. Il prend pas la droite. Demi-tour. Go. Bah les steaks. Oh putain, c'est une autre gamme. Je l'ai vendue en plus, celle-là. C'est bon, il est mort. C'est une autre gamme, c'est pour moi mon pote. Allez, secure reserve. Comment ça, je peux pas la rentrer? Ah non, je vais pas la foutre à la casse pour 5000 balles. Hein. Bon, je vais lui rendre. Oh bah j'allais lui rendre. Ah bah j'allais lui rendre, ben tant pis. Ah, il est recherché. Ah, donc en fait, il y a une seule phase où tu peux vraiment chourer les véhicules. C'est pas sur la vente, c'est sur le... Quand il va chercher la voiture, c'est pas quand il vend. Il m'attend là ou quoi? Et voilà, que des god mode, que des fils de con. Faut que t'enlèves ton passif, idiot. Il a essayé de me troll, cet abruti. T'as pas de cerveau, mon gars. On est quel jour, là, pour ce seul bordel comme ça? C'est le bordel. Bah ouais, c'est parce que c'est le jour des promotions, c'est sûr. Et bon, bah je vais m'occuper du braquage du casino, là. Le mode libre, il m'a saoulé, là. Ah, les trucs avec des étoiles, c'est à faire, c'est obligatoire. Bon, bah on va faire les cartes magnétiques, allez. Je vais jouer un peu en solo, ça va me faire du bien, là. Voler le bus pénitentiaire, ok. Aucun problème. Et ouais, le bus est droit devant. Il est juste là. Petit pistolet. Ça va être... Quoi? Putain, mais les mecs se défendent. Ah, là, j'ai le bus. Ah, j'ai oublié de racheter des encas, ça, c'est une erreur. Ah, ok, c'est une mission d'infiltration, en fait. Attendez que la porte s'ouvre. Ok, c'est comme Caillou Perico. Tour 5. Allez, on va aller à la tour 5. On va fouiller la tour. Allez. Elle est pas mal cette mission, c'est sympa. What? Mais non! Mais. Ah bah ouais, ça va être impossible de sortir. Ah! Semer les flics, c'est tout. J'ai gardé la carte sur moi là. Alors, au moins, ça m'évite de me prendre la tête. Salut. Hein. Ah. C'est calculé, hein. Cherchez pas, c'est calculé. Bon, je vais appeler les stars, comme ça je serai quand même tranquille. Oh, ils sont en train de me ruiner ma vie là. Ah non, on peut pas. Ça va être génial. Pas d'Anka. Wesh. Mais il va me buter, frère. Ouais. Ah d'accord, donc ça sert à rien de les semer. En fait, tu te laisses mourir et puis on n'en parle plus. Bon, allez, je vais en faire une autre. Allez. Pourquoi elle crie comme ça? Tu veux pas la fermer ta gueule un peu? Oh voilà.
Alors, nanodrone laser. Laser, on va chercher le laser. Allez, go. Olé, c'était touchy ça. Hein. On y est. Éliminer les mercenaires. Ok, j'avais pas prévu ça. On peut pas y aller discret, ça. J'ai envie de tenter un truc. On peut passer par derrière. Ou non, il y a le grillage qui va me faire chier. Voilà. What, non? Oh, ma tête. C'est pas passé loin. Oh merde, il y en a sur le toit aussi. Est-ce que ces petits coquins sonnent l'alerte si j'en bute un discrètement, genre... What? Mais j'ai pas tiré, frère. Mais... Pourquoi ça a tiré? J'ai pas tiré. Mais c'est qui me tire comme ça des... C'est qui se fout de ma gueule? Ah, c'est peut-être un sniper. Il me met des headshots, l'enculé. Il tire quand il ne voit pas. Je sais pas, je l'entends tirer quand je suis caché. Mais non, c'est pas le masto. Je crois que je vais faire une pause. Je crois que je vais aller jouer avec ma petite voiture là que j'ai eu là. Je vais faire boum boum dans le salon. Je vais me mettre par terre. Je vais m'inventer des histoires comme quand j'étais tout petit. Et là, il n'y a jamais de difficulté là. C'est juste de l'imagination. Voilà. Et c'est qui le mec qui m'a one shot alors? Mais putain! Ah, il y a un sniper. Mais. Dans l'entrepôt. D'accord. Bon, bon. Merci de m'avoir prévenu quand même. Voilà, au laser. Ah, est-ce que j'ai besoin d'en prendre deux ou pas? Et on y retourne les potes. Putain, c'est quoi cet épisode? C'est grand aller-retour online ou quoi? Elle est pas trop abîmée, hein. Voilà le deuxième. Et bien putain, c'est encore pire que les prépas de Caio Perico là. J'ai de la chance là. What? Trying to live some perfect life. I know I'm wasting time.